Quand en 2021, la véritable mission des influenceuses de Paul Biya a enfin révélée. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Elles avaient fait parler d'elles. Elles ont été invitées par Paul Biya. Elles devraient faire oublier le scandale financier du stade de Lambe. Elles sont toutes renvoyées chez elles en France, mais les Camerounais s'interrogeaient toujours sur l'objet de la mission de ces travailleuses de sexe recrutées par la présidence de la République du Cameroun pendant la CAN 2021. Lolo Fodja, Marie Bilou et Foy Elisabeth et Zomo Bemaline Marie-Christine ont été invitées par le directeur du cabinet civil de la présidence de la République Mvondo Iyolo d'après une note confidentielle de son département qui a fuité sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs jours, ces filles de moralité douteuse ont fait parler d'elles en multipliant les vidéos obscènes impliquant des ministres du gouvernement, le chef de l'État, ainsi que son époux Chantal Biya dans des scandales sexuels. René Bakota, secrétaire général du PUR, prétend savoir l'objet de la mission de ces filles au Cameroun. Invité dans les studios d'Abc Radio, il révèle que le trio avait pour mission de distraire les Camerounais durant la CAN, afin de détourner les regards du scandale financier du stade de Lambe. On a voulu distraire les Camerounais, parce qu'avec l'arrivée de ces influenceuses lors de la CAN, on a cessé de parler du scandale autour de la construction du stade de Lambe, de l'organisation de la CAN. Les vrais dossiers ont été oubliés. C'est le côté voyou de l'État, a-t-il déclaré. Invité par une femme de pouvoir. Les filles de joie chassées du Montfeuble par les forces de l'ordre ne se parlent plus. Lolo Fodja, la dernière à quitter précipitamment le Cameroun, accuse les deux autres femmes d'avoir été la cause de ses ennuis. Elle regrette avoir effectué ce déplacement, avec ces dames tristement célèbres. Lolo Fodja confirme les informations selon lesquelles, les influenceuses ont été chassées sur instruction d'une puissante dame. Bien qu'elle n'ait pas révélé son identité, elle a précisé que c'est cette personnalité qui a financé le séjour du trio. Dépassée par les agissements de ses invités, elle a décidé nuitamment de les renvoyer en France. Selon les révélations de Lolo Fodja, au moins trois faits majeurs ont motivé la décision de la généreuse bienfaitrice. Elle a d'abord découvert sur les réseaux sociaux les images à caractère pornographique du leader du groupe. Ces vidéos confirment pour elle tout le mal qu'une bonne partie des Camerounais pensent de ces influenceuses d'un autre genre. La personnalité en question a également regretté les propos haineux et tribalistes tenus par certaines filles de la délégation. Elle a même eu peur pour la sécurité de certaines, qui pourraient être ciblées par des ressortissants de tribus vilipendées. Le dernier élément qui a définitivement scellé le sort des filles de joie est la vidéo de Marie Bilou et Foy Elisabeth, dans laquelle elle se présente comme une influenceuse d'État et prostituée de Paul Biya. Ses propos auraient créé un grand scandale au plus haut sommet de l'État. Bargangel. Contrairement à Zomo Bemaline Marie-Christine et Bilou et Foy Elisabeth, dont le sort a été scellé séance tenante par leur bienfaitrice, Lolo Fodja avait été autorisé dans un premier temps à continuer son séjour au Cameroun sans ses amis. C'est sans compter sur le chef de la police Bargangel. L'homme de confiance de Paul Biya a fait convoquer d'urgence la rescapée à son bureau. Il lui a expliqué pourquoi elle ne peut pas rester au Cameroun. « Le Cameroun n'est pas un pays tribaliste, nous condamnons le tribalisme même. Si vous défendez le Cameroun, vous n'avez pas le droit de tenir des propos à caractère tribaliste envers vos compatriotes. Il y a des directs où vous traitez les Bamiloks de Bamilkon, nous ici nous condamnons ça », lui aurait lancé Bargangela. Bien que n'ayant pas ses documents de voyage sur elle, Lolo Fodja s'est vu attribuer le même jour un nouveau passeport et a été prié de quitter le Cameroun le lendemain. « Il me dit on va vous faire un passeport, et vous allez rentrer. Il m'a donné des conseils. Voici mon nouveau passeport, qui a été délivré le même jour, et c'est comme ça que j'ai fait le voyage », relate. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.